إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on est arrivé au chapitre dans le livre du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah Al-Aqidat Al-Wasitiyyah où il explique nafyu sharik anillahi ta'ala, c'est-à-dire de nier que Allah subhanahu wa ta'ala a un partenaire subhanahu wa ta'ala. Et aujourd'hui c'est le cours 14 si je ne me trompe pas. Donc alhamdulillah, le Cheikh il commence en mentionnant des versets pour prouver que Allah subhanahu wa ta'ala il n'a pas de d'associé, de partenaire, il n'y a pas de sharik. Donc le Cheikh il dit قال تعالى قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. نعم سأسل الغرسة 111 dans سورة الإسراء. Et donc ça veut dire dit louange à Allah, celui qui n'a pas pris de fils et qui n'a pas de partenaire dans son royaume et celui qui n'a pas de d'allié comme protecteur dans l'humiliation, c'est-à-dire il n'a pas d'allié à cause d'une faiblesse, c'est-à-dire proclame hautement sa grandeur. Yusabbihu, après il mentionne une autre ayah qui dit yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre glorifie Allah subhanahu wa ta'ala, c'est à lui qu'appartient le royaume ou le royaume des cieux et de la terre, et c'est à lui qu'appartient la louange, et c'est lui qui a le pouvoir sur toute chose. وهو على كل شيء قدير. Ça c'est dans sourate Tahabun, le premier verset. Ensuite, le cheikh il mentionne une autre ayah qui dit تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. C'est le verset 1 et 2 dans Al-Furqan, c'est les deux premiers versets. Après, il mentionne une autre ayah, cette ayah, qu'est-ce qu'elle signifie? Ça signifie que béni soit celui qui a fait descendre Al-Furqan. Al-Furqan, c'est un des noms du Coran, et c'est-à-dire que c'est le livre qui distingue entre le mensonge et la vérité, entre le vrai et le faux. Al-Furqan. Ala abdihi, sur son serviteur, pour qu'il soit un avertisseur pour les mondes. Celui qui a le royaume des cieux et de la terre et qui n'a pas pris de fils et il n'a pas d'associé dans son royaume et il a créé toutes choses et il a donné à toutes choses sa juste mesure et sa destinée. Il a tout calculé et tout mesuré, la chose de chaque chose, la proportion, il a mesuré chaque chose et il a donné à chaque chose sa juste mesure. Une autre ayah qui dit ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض.
سبحان الله عما يصفون عن الغيب والشهادة فتعالى الله عما يشركون. وفي الآية 91-92 dans Surah Al-Mu'minun. Et qu'est-ce que ça dit? Ça dit que Allah n'a pas pris de fils. Ok? Et il n'y a pas d'autre divinité avec lui. Hein? Et si c'était le cas, chacun d'entre ces divinités, chacune d'entre ces divinités aurait pris ce qu'elle a créé et elle serait partie avec, ou bien chacune d'entre elles aurait essayé de prendre le dessus sur l'autre. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala dit par la suite que Allah soit purifié de ce qu'il lui attribue. Et après Allah termine le verset en disant qu'il a la connaissance du ghaib, celui qui est alimul ghaib wa shahada, il connaît ce qui est caché et ce qui est apparent. Fata'ala Allah, et Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il soit élevé par-dessus tout ce qu'ils peuvent lui donner comme associé. Ça c'est comme on l'a dit le verset déjà dans Sourate Al-Mu'minun. Après, il mentionne une autre ayah qui dit « فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ » Ne faites pas des analogies avec Allah subhanahu wa ta'ala, ne faites pas des comparaisons avec Allah subhanahu wa ta'ala. « إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ » Allah subhanahu wa ta'ala, il sait et vous ne savez pas. Et ça c'est le verset 74 dans Sourate Al-Nahl. Ensuite, il mentionne une autre ayah qui dit « قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ » Cette ayah, c'est le verset 33 dans Al-A'raf, ça dit « Mon Seigneur a interdit al-fawahish » Al-fawahish, c'est les turpitudes, les péchés, les grands péchés, comme par exemple al-zina et toutes ces choses-là. Hein, il a interdit ça. Ma zahara minha wa ma batan. Qu'est-ce qui est apparent et qu'est-ce qui en est caché? Wal-ism wal-bari. Al-ism, c'est le péché. Wal-bari, c'est la transgression. Bi-ghayr al-haq. Le fait de l'injustice. Hein. Wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Que tu associes avec Allah subhanahu wa ta'ala ce dont il n'a donné aucune des choses, tu associes avec Allah des choses qui n'ont aucune autorité, Allah n'a donné aucune autorité à ces choses. Wa taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, et de dire à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala ce que tu ne sais pas. Maintenant on va voir en détail la signification de tous ces versets là qu'on a mentionnés avec le tafsir. Un petit tafsir résumé, mais quand même assez clair, que le cheikh Saleh Al-Fawzan a donné à propos de ces versets-là. Il dit, قل الحمد لله, الحمد هو الثناء, والألف واللام فيه للاستغراق, أي الحمد كله لله. Donc, premièrement, quand le cheikh il dit le verset qui dit, قل الحمد لله, et dit louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdu, qu'est-ce que ça veut dire en arabe? Ça veut dire al-thana. Et al-thana, c'est quoi? C'est de mentionner toutes choses de bien à propos de toutes les bonnes qualités qu'une personne possède, toutes les qualités que la personne possède. Et quand on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire de mentionner tous ses attributs et ses noms de gloire et de perfection. Donc ensuite, il dit que al-alif et al-lam, quand on dit al-hamd, avec l'article, quand on dit alif et lam, ça veut dire la louange. Donc, ça veut dire toute la louange en entier. Elle appartient uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il n'y en a pas aucune partie de la louange qui appartient à quelqu'un d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et si quelqu'un d'autre, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, on peut le glorifier pour certaines qualités qu'il possède, eh bien, en réalité, cette glorification-là, elle retourne à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est uniquement grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il possède ces caractéristiques qui méritent qu'il soit glorifié lui. Donc, il n'est pas glorifié directement, mais il est glorifié d'une certaine façon grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça revient la gloire et la louange à Allah en entier. D'accord? Et après, il dit « Allazi lam yattakhidh waladan », c'est-à-dire celui qui n'a pas pris de fils. أي ليس له ولد كما تقوله اليهود والنصارى وبعض مشركي العرب. يا دي شريف دي كريتيان كي ديز ك الله إلى دي فيس إلى لي باغ إكزومبل إل ديز ك عيسى سي لو فيس دالله
Et les Juifs, eux, ils disent que Uzair, c'est le fils d'Allah, et beaucoup d'autres prophètes, hein, leur livre est mentionné comme étant fils, ou des choses comme ça. Et ça, bien entendu, c'est un mensonge à propos d'Allah, puisqu'il n'a pas de fils. Pour avoir des fils, on sait qu'est-ce qu'il faut faire quand on est gagné, c'est-à-dire par rapport aux êtres humains et aux animaux également. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il ne fait que créer ses créatures, il n'a pas de lien de parenté avec aucune de ses créatures. Et les mouchriquins des Arabes, avant l'islam, ils attribuaient à Allah subhanahu wa ta'ala des filles. Et ils disaient que les anges étaient des filles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah les a réfutés dans plusieurs versets dans le Coran. Après il dit « وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ أَيْ لَيْسَ لَهُ مُشَارِكٌ فِي مُلْكِهِ وَرُبُوبِيَتِهِ كَمَا تَقُولُ الثَّنَوِيَّةُ وَنَحْوِهِمْ مِمَّا يَقُولُ بِتَعَدُّدِ الْآلِهَةِ » Donc le cheikh il dit ici que Allah subhanahu wa ta'ala il n'a donc aucun associé dans son royaume. Et il dit le cheikh donc il n'a pas d'associé dans son royaume et dans sa souveraineté. C'est lui le seul maître de toutes choses. Contrairement à ce que disent les gens qui croient par exemple qu'il y a deux dieux ou trois dieux ou plus qu'une quantité infinie de divinités, ces gens-là qui donnent des associés à Allah subhanahu wa ta'ala, eh ben ils se trompent puisque Allah subhanahu wa ta'ala est le seul et l'unique et il n'y a pas de partenaire avec lui dans son royaume. Il n'y a même pas personne qui peut contrôler un atome dans le royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ce qui se produit dans son univers et dans sa création se produit uniquement par sa permission et sa volonté à lui. Et personne dans l'univers peut aller en contradiction avec sa volonté et en contradiction avec son pouvoir. Donc il n'y a pas d'autre divinité avec Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الظُّلْمِ أي ليس بذليل فيحتاج إلى أن يكون له ولي أو وزير أو مشير فلا يحالف أحدا ولا يستنصر بأحد. Donc le cheikh il mentionne cette partie du verset qui dit et il n'a pas besoin d'un allié à cause d'une humiliation ou une faiblesse. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de quelqu'un pour lui venir en aide, n'a pas besoin de ministre, n'a pas besoin de conseiller, n'a pas besoin de personne pour lui venir en aide dans quoi que ce soit. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, comme on dit, il se suffit à lui-même, il n'a pas besoin d'aide de personne. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا Et عَظِّمْهُ وَأَجِّلْهُ عما يقولون أو عما يقوله الظالمون يعني exact le et proclame sa grandeur par rapport à qu'est-ce que les injustes parmi les créatures peuvent essayer de lui attribuer d'associer et de divinité avec lui et Allah subhanahu wa ta'ala il n'a pas quand il dit wa alaykum salam quand on dit par exemple que Allah il dit comme ici وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الظُّلْمِ On sait que Allah subhanahu wa ta'ala il dit que par exemple أَلَا إِنَّ أَوْلِيَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Il y a des awliya, il y a des alliés, Allah il a des alliés, mais ce n'est pas des alliés à cause d'une faiblesse qu'il a besoin d'aide. Il a des alliés dans le sens que c'est lui au contraire qui nous vient en aide, c'est lui qui nous porte secours et qui nous supporte et non pas le contraire. Et quand il dit in tansurullah yansurkum, ça ne veut pas dire que nous on va lui venir en aide parce qu'il a besoin de notre aide. Ça veut dire en réalité on vient en aide à sa religion dans le sens que on fait du bien pour nous-mêmes. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ Celui qui lutte, il lutte uniquement pour lui-même. إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il peut bien se passer de l'univers en entier. Donc ça veut dire que, il faut pas penser que si on vient en aide à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est parce que Allah a besoin de nous. C'est comme dans l'aïa qui dit وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَنْتَصَرَ مِنْهُمْ Si Allah subhanahu wa ta'ala il voulait, il aurait déjà eu la victoire contre les koufars.
ولكن ليبلوا بعضكم ببعض c'est pour qu'il vous teste les uns par rapport aux autres pour voir lequel d'entre vous allez faire les efforts et montrer sa foi yani, et sa sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala dans ce sens là après le cheikh dit wa qawluhu yusabbihu lillahi ma fi as-samawati wa ma fi al-ard ay tunazzihu jami' makhluqatihi allati fi samawatihi wa ardi عن كل نقص وعيب. Donc, quand Allah dit que tout ce qui est dans les cieux et la terre glorifie Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire que tout ce qui est dans les cieux et la terre chante la louange d'Allah et la gloire d'Allah et purifie Allah de toute chose, de toute faiblesse ou de toute imperfection que les mouchriquins essaient de lui attribuer. Donc, il n'y a rien dans la création excepté que cette chose-là est en train de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. Même si nous on comprend pas, Allah dit dans le Coran, voilà qu'il la tafqahuna tasbihahum. Donc les créatures, les atomes, la matière, même les arbres, les animaux, tout dans la création glorifie Allah subhanahu wa ta'ala, mais Allah il dit, mais vous comprenez pas leur tasbih, vous comprenez pas leur glorification. Ils ont chacun leur façon de glorifier Allah, et même si nous on comprend pas, eh ben il faut savoir que il n'y a rien dans l'univers excepté qui glorifie les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite il dit وَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدِ à lui le royaume et à lui la gloire. يَخْتَصَّانْ بِهِ لَيْسَ لِغَيْرِهِ مِنْهُمَا شَيْءٍ وَمَا كَانَ لِعِبَادِهِ مِنَ الْمُلْكِيَةِ فَهُوَ عَطَاؤُهُ فَهُوَ مِنْ عَطَائِهِ Hein? Donc le cheikh il dit que c'est à lui, à Allah subhanahu wa ta'ala, al-mulk, c'est lui le propriétaire de toutes choses dans la création, et c'est à lui que revient toute la louange. Hein? Et donc le cheikh il dit que c'est à lui en particulier, et il n'y a rien de la louange et de le fait qu'il possède tout dans l'univers, il n'y a rien qui revient à quiconque. Il n'y a rien de ce qui est dans l'univers, même pas un atome qui appartient à autre qu'Allah, et il n'y a rien non plus de la louange qui appartient à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il mentionne, il dit que même si dans ce monde, certains des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala peuvent posséder certaines choses, d'accord, mais cette possession-là, c'est une possession qui est, disons, relative. Parce que en réalité, ce qu'on possède, on le possède uniquement parce que c'est Allah qui nous l'a donné. Donc en réalité, ça appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme on peut dire qu'il nous le prête, hein, mais c'est pas à nous vraiment. Même notre corps qu'on utilise pour marcher, pour parler, pour tout ce qu'on fait avec, eh ben il nous appartient pas. C'est Allah qui nous le donne. Hein. Donc on peut pas l'utiliser, excepté comme Allah nous demande de l'utiliser. Hein. Donc tout ce qu'on a, notre maison, notre voiture. Tout ce qu'on possède dans cette création, ça appartient tout à Allah subhanahu wa ta'ala. Et après le cheikh il dit « Wa huwa ala kulli shay'in qadir » c'est-à-dire il n'y a rien qui est impossible ou difficile pour lui, il n'y a rien qui est difficile pour lui, il n'y a rien qui est trop difficile pour lui qu'il n'est pas capable de faire. Allah subhanahu wa ta'ala a le pouvoir sur toute chose. Après il dit « Tabaraka » qu'est-ce que ça veut « Tabaraka » ça veut dire فعل ماضي مأخوذ من البركة وهي النمى والزيادة المستقرة الثابتة الدائمة وهذه اللفظة لا تستعمل إلا لله سبحانه وتعالى ولا تستعمل إلا بلفظ الماضي. Donc le cheikh dit تبارك ça vient du verbe, c'est un verbe passé qui signifie qui est extrait de la bénédiction al baraka. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'augmentation et la croissance. Et c'est quelque chose qui, une augmentation qui demeure toujours, qui continue toujours à augmenter. Hein. Et donc, il dit que ce terme-là, on peut uniquement l'utiliser pour Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Dans le sens que, on peut juste dire ça pour Allah. Tabarak, tabarak al-Nazi. Comme il dit, c'est tabarak, que soit béni
celui qui a fait descendre Al-Furqan. Et donc, Al-Baraka, c'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala qui peut la donner. Personne d'autre en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pas une, comme certaines personnes qui ont l'impression, qui croient que, en touchant certains objets, ils peuvent avoir une baraka. Sans preuve. Hein. S'ils vont dans une mosquée ou dans un endroit où, par exemple, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils vont toucher au mur, ils vont toucher aux portes, ils touchent au minbar, ils pensent qu'ils peuvent avoir une baraka en touchant à ces choses-là. Alors que la source de baraka, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est uniquement Allah qui donne al-baraka. Donc de chercher le baraka de ces choses-là, c'est pas correct. Et ça rentre même dans le shirk. Et التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم par exemple de prendre la baraka des restes de par exemple s'il y a un cheveu du prophète صلى الله عليه وسلم ou sa salive ou des choses comme ça, les sahaba ils faisaient ça, mais actuellement quelqu'un peut pas prétendre qu'il possède quelque chose de ces athars, donc on peut pas utiliser ces exemples là comme par exemple certains soufis qui cherchent la baraka dans les choses de leur chouyour. Ils vont garder peut-être des cheveux de leur cheikh, ou bien la canne de leur cheikh, ou des choses comme ça, et ils pensent que en la touchant ou en l'ayant, ça va avoir une baraka. Donc ça c'est batil. Ensuite le cheikh il dit, c'est ça. Et on l'utilise uniquement pour dans le verbe passé également ici. Après dit, الذي نزل الفرقان أي القرآن سمي فرقانا لأنه يفرق بين الحق والباطل. Comme j'ai dit, Al-Furqan, on appelle le Coran Al-Furqan parce que c'est la distinction entre la vérité et le mensonge. على عبده, il a fait descendre ce Coran sur son serviteur, يعني محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه صفة مدح وثناء لأنه أضافه إليه إضافة تشريف وتكريم في مقام إنزال القرآن عليه. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, il a fait descendre sur son abd, sur son serviteur, sur son esclave. Et bien quand Allah subhanahu wa ta'ala appelle le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par le nom esclave, c'est un terme de noblesse et de glorification en réalité. Et ce n'est pas une insulte en réalité, parce que d'être serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une des plus grandes honneurs qu'on peut avoir. Hein. Tandis que quand quelqu'un appelle un autre être humain esclave, c'est comme si il essaie de le rabaisser, c'est comme s'il essaie de l'humilier. Tandis que quand Allah subhanahu wa ta'ala a nommé quelqu'un comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam par le mot esclave, et qu'il l'a mentionné dans le contexte où on parle de la révélation du Coran sur lui, et bien dans ce contexte-là, c'est une glorification pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après il dit, « لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا » pour qu'il soit un avertisseur pour les mondes. Et ça comprend quoi? Ça comprend al-ins ou al-jinn, les hommes et les djinns. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est venu pour les hommes et pour les djinns, pas seulement pour les êtres humains. D'accord? Il dit, وَهَذَا مِنْ خُصُوصِيَتِهِ. Ça c'est une de ses particularités. Parce que contrairement aux autres messagers avant, qui venaient seulement pour leur peuple, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu pour tous les êtres humains et tous les peuples en entier, pas juste un par rapport à d'autres. Et les koufars, souvent, ils essaient de limiter le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu pour le monde entier en disant par exemple, ah ça c'est la religion des Arabes, l'islam c'est la religion des Arabes. Comme ça, quand les gens entendent ça, ils disent, ah c'est pas pour nous alors, on n'a pas besoin de devenir musulmans parce que c'est pour les Arabes l'islam. Et ça c'est une façon de détourner les gens d'accepter l'islam. Parce qu'en réalité, si on regarde dans le monde entier, la plupart des musulmans sont des non-arabes, la majorité. Donc, alhamdoulilah, le message de l'islam, c'est un message pour toute l'humanité, sans distinction entre les peuples ou les couleurs ou les langues, peu importe. Les gens peuvent accepter l'islam et ils doivent accepter l'islam. Après, le cheikh il dit, نذيراً أي منذراً مأخوذ من الإنذار وهو إعلام وهو الإعلام بأسباب المخافة. Comme on a expliqué hier.
Al-Nadir, l'avertisseur, c'est quoi? C'est, on le prend de Al-Inzar, et Al-Inzar, ça veut dire quoi? Ça veut dire de faire une annonce, d'annoncer quelque chose. Et c'est annoncer quelque chose à cause d'une cause, de quelque chose qui fait peur. Quelque chose qui fait peur, un avertissement. Et le cheikh, il dit, وَقَوْلُهُ لِيَكُونَ تَعْلِيلٌ لِإِنْزَالِ الْفُرْقَانِ عَلَيْهِ أي ليخصه بالرسالة العامة. فذلك ليكون العالمين نذيرا pour qu'il soit un avertisseur. Il a fait descendre le Coran pour qu'il soit un avertisseur. Ok. Après il dit ثم وصف نفسه سبحانه بأربع صفات. الأولى قوله الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا. Donc on va commencer par la première. Dans ce verset là Allah s'en fait par la suite. Il s'est décrit par quatre attributs. La première attribut, il dit que c'est lui le maître, ou c'est à lui qu'appartient les cieux et la terre. Ça c'est la première chose qu'il a mentionné. Et donc ils appartiennent à lui, en particulier en dehors de toutes les de tout autre. Donc il appartient à personne d'autre que à Allah, et c'est lui seul qui a le contrôle dans tout cet univers et dans tout ce monde. La deuxième, الصفة الثانية, ولم يتخذ ولدا, il n'a pas pris de fils. كما تزعم النصارى واليهود, وذلك لكمال غناه وحاجة كل مخلوق إليه. Et donc, ça c'est contrairement à ce que pensent les juifs et les chrétiens, comme on l'a dit tout à l'heure. Et ça c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-ghani. Et il est le riche, il est celui qui se suffit à lui-même. Donc, il n'a pas besoin de personne et de rien. D'accord? Et ensuite, il dit, وَالصِّفَةُ الثَّالِثَةُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ. La troisième caractéristique, c'est qu'il n'a pas de partenaire dans son royaume. وَفِيهِ رَدٌ عَلَى طَوَائِفِ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الْوَثَنِيَّةِ وَالثَّنَوِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ. Et donc, il n'a pas de partenaire dans son royaume. Il n'a pas de partenaire dans son royaume, contrairement aux mushrikines, et aux déistes, et aux dualistes, qu'on appelle, polythéistes. Après, il dit que la quatrième caractéristique, la quatrième chose qu'Allah s'est donnée comme description dans ce verset-là, c'est qu'il est le créateur de toutes choses. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ أفعال العباد فهي خلق لله وفعل للعبد وخلق لله وفعل العبد. Ça c'est une chose qui est importante à comprendre. Le chef dit donc qu'il a créé toutes choses parmi les créatures, et parmi les choses qu'il a créées, il a créé nos actions, les actions qu'on fait, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, c'est lui qui les a créées. Sauf que l'action c'est notre action, c'est nous qu'on le fait, mais c'est Allah qui l'a créé. Et on fait ensemble. Il y a une distinction entre le fait que Allah subhanahu wa ta'ala crée et entre le fait de faire l'action. D'accord? Et c'est facile à comprendre si on donne l'exemple du fait que Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'action de manger, l'action de dormir, l'action de, je sais pas, de toutes les actions qu'on peut faire. Mais lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne dort pas et il ne mange pas, Mais il a créé ces actions-là. Donc, il y en a déjà, parmi les gens de Bid'a, ils ne font pas la distinction entre ces deux choses-là. Ils ne font pas la distinction entre la création de l'action et entre le fait de faire l'action. Et donc, à cause de ça, ils attribuent à Allah subhanahu wa ta'ala toutes les actions qu'on peut faire. Ils ne font pas de distinction entre les deux. Et puis également, ils peuvent même essayer de dire que, en réalité, c'est pas nous-mêmes qui faisons ce que nous faisons, c'est Allah qui le fait, en réalité. Et ça, c'est les Jabriya, les Jahmiya parmi les Jahmiya. Ou bien disons même que ce sont Al-Jabriya et que les Jahmiya sont des Jabriya. Non, c'est des gens qui nient que l'être humain a une volonté et ils nient que l'être humain a une capacité ou une force de faire qu'est-ce qu'il veut faire. Yani. Tandis que, Ahlus Sunnah al-Jama'ah, on affirme que la créature, elle a une volonté, mais elle est limitée.
Et l'être humain, il a également une capacité, mais elle est toujours limitée par la volonté et le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Tandis que, il y a un autre extrême, l'extrême des Qadariya, et eux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que l'être humain, c'est lui qui crée lui-même ses actions. Hein? Il décide qu'est-ce qu'il fait, et il n'y a pas de prédestination. D'accord? Donc, on peut imposer quelque chose et faire quelque chose qui va contraire à la volonté d'Allah. Donc ça c'est batil. C'est comme s'ils ont affirmé qu'il y a plusieurs dieux qui ont un contrôle de quelque chose, qui ont un contrôle qui dépasse le contrôle d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'univers. Et donc ça c'est également une forme d'égarement. Le cheikh dit ensuite, قال ابن كثير, avant ça, le cheikh il dit, فقدره تقديرا أي قدر كل شيء مما خلق من الأجال والأرزاق والسعادة والشقاوة وهيها كل شيء لما يصلح له. Donc le cheikh dit que قدره تقديرا, il a fait créer toute chose dans une mesure, c'est-à-dire qu'il a créé toute chose, il a prédestiné toute chose qu'il a créée. C'est-à-dire qu'il a prédestiné que chaque chose allait avoir une limite de temps, une durée de temps, et qu'elle allait avoir un terme, et qu'elle allait avoir sa subsistance. Chaque être humain, Allah a prédestiné sa subsistance pour lui. Et est-ce qu'il sera heureux ou est-ce qu'il sera malheureux? Ou est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il va avoir durant sa vie? Tout ça c'est prédestiné également, hein, et bien mesuré et calculé. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a tout préparé. Toute chose qui doit nous arriver, etc. D'accord. قال ابن كثير رحمه الله وحفظه الله رحمه الله نزه نفسه عن الولد وعن الشريك ثم أخبر أنه خلق كل شيء فقدره تقديرا أي كل شيء مما سواه مخلوق مربوب وهو خالق كل شيء وربه وملكه وإلهه وكل شيء تحت قهره وتدبيره وتسخيره وتقديره. Donc انتهى كلامه. Ça c'est la parole de l'imam Ibn Kathir dans son tafsir. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala s'est purifié d'avoir un fils et d'avoir un partenaire, et il a informé également qu'il a créé toute chose et qu'il a prédestiné toute chose. Et donc le cheikh il dit que toute chose en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala est créé, et il est sous sa souveraineté, et qu'il est le créateur de toutes choses, et son souverain, son maître, et c'est à lui que toute chose appartient, et il est la divinité, celui qui mérite l'adoration dans l'univers, et toute chose est sous son pouvoir, sous son contrôle, sous sa volonté et sous sa prédestination, son contrôle et tout comment il a prédestiné toute chaque chose. Donc ça c'est les paroles de l'imam Ibn Kathir. Ensuite il explique l'autre verset. وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas pris de fils et il n'y a pas d'autre divinité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a vu qu'il a mentionné comme plusieurs versets qui mentionnent le fait que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de fils, hein. Et les chrétiens et les juifs, comme j'ai dit tout à l'heure, ils ont attribué que Allah subhanahu wa ta'ala avait un fils, et ils ont dit que Isa c'était le fils d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutefois, et même quand on discute avec des chrétiens, je sais pas si c'est déjà arrivé, mais si ça vous arrive, vous discutez avec les chrétiens, et vous leur posez la question, qu'est-ce que ça veut dire quand vous dites que Allah subhanahu wa ta'ala a un fils? Et la plupart du temps, ils ne sont pas capables de l'expliquer, hein, parce qu'ils ne comprennent pas les choses, qu'est-ce que ça signifie. Pourquoi? Parce que, en général, les chrétiens, on leur a pas appris à réfléchir. On leur a pas appris à réfléchir sur la signification de leur croyance. On leur a seulement dit, voici ce que vous devez croire, puis ils l'ont accepté. Et on leur a répété tellement de fois ces choses-là depuis qu'ils sont tout petits, hein, que c'est devenu comme un fait pour eux. Dans le sens que quand tu dis à un chrétien Jésus c'est le fils de Dieu, pour lui c'est comme si tu lui dis 1 plus 1 égale 2. Il ne va pas remettre en question cette chose-là.
Donc si quelqu'un vient et lui dit « Jésus, c'est pas le Fils de Dieu », pour lui, c'est comme si tu lui dis « 1 plus 1, c'est pas égal à 2 ». Hein? Donc ça veut dire pour lui, il faut que tu lui expliques, que tu lui donnes des arguments et des clarifications, parce que c'est pas clair pour lui, c'est pas évident du tout comme ça peut l'être pour un musulman. Parce que, alhamdulillah, hein, le musulman il est sûr, premièrement il a al-fitra qui est propre, hein, sa nature qui a pas été corrompue par une fausse croyance. Deuxièmement, il est en accord avec l'enseignement de tous les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ont tous dit qu'il y a un seul Dieu. Hein. Et aucun prophète n'a jamais parlé de l'histoire de fils ou que Dieu avait des fils. Donc, quand tu peux leur parler et tu peux leur expliquer, et si tu leur dis c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire fils de Dieu, et là tu vas voir que souvent ils ne savent pas l'expliquer, ils ne peuvent pas comprendre non plus qu'est-ce que ça veut dire. Et si tu leur demandes est-ce que tu crois que quand tu dis que Allah a un fils, qu'il a une femme, avec qui il a eu un enfant, et là la plupart du temps, quand tu leur dis ça comme ça, ils vont nier. C'est-à-dire ils vont dire non, c'est pas ça qu'on veut dire. Hein, on veut pas dire ça. Donc c'est pour ça que je dis que leur conception de leur croyance est pas tellement claire pour eux-mêmes. Ils n'ont jamais pris le temps d'y penser réellement. Et si tu retournes même à leur livre, il y a beaucoup de preuves dans leur livre même, dans les textes même, qui montrent qu'en réalité cette notion-là de dire quand ils disent que Dieu a un fils ou des choses comme ça, c'est pas établi, Yanni. Hein, c'est pas établi solidement. Donc c'est possible de leur faire comprendre, avec des arguments logiques, que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de fils. Hein, parce qu'ils s'imaginent une autre raison pourquoi Isa était le fils de Dieu selon eux, c'est parce qu'il n'avait pas de père. Ok? Il n'avait pas de père. Donc, s'il n'avait pas de père, c'était qui son père? Pour eux, automatiquement, c'est Dieu. Hein, ils ne réfléchissent pas plus que ça. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de créer il y a les 10 comme Jésus, sans père ni mère, hein, il est capable de tout faire. Mais eux ils comprennent pas. Et Allah il donne justement l'exemple dans le Coran à propos d'Adam, alayhi salam. Il dit, inna matala Isa inda Allah kamathali Adam. Hein, l'exemple de Isa, de Jésus, par rapport à Allah, c'est comme l'exemple d'Adam. Il a créé de la terre et il a dit soit et il fut. Hein? Donc ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala il a créé Isa dans le ventre d'une femme, il a dit soit et il fut. C'est tout. Il n'y a pas de rien d'autre de compliqué, il n'y a pas de lien de parenté entre Allah et Isa et aucun autre de ses créatures dans la création. Il a créé Isa comme il peut créer la lune, comme il peut créer le ciel, comme il peut créer toute autre créature. Donc il n'y a pas de lien de parenté entre Allah et sa création. Et également, Yanni, donc ça c'est une de leurs plus grandes shubha à ce sujet-là. Donc si vous leur expliquez déjà le fait que, Yanni, comment Allah a créé Isa, et comment l'exemple de Adam avec Isa, si vous leur expliquez ça comme il faut, hein, c'est un argument logique qu'Allah nous donne dans le Coran pour débattre avec eux, et bien si vous leur expliquez ça, ils sont capables de comprendre. Et ça dépend de leur niveau de comment ils ont été, programmés à accepter leurs croyances déviées, mais selon leur niveau de fitra qu'ils ont, eh ben, ça dépend d'une personne à l'autre. Il y en a qui vont accepter tout de suite. Il y en a qui vont comprendre tout de suite. Il y en a. Ouais, c'est ça. Exactement. Eux, ils vont accepter. Mais il y en a d'autres, il faut travailler plus. Il faut plus de patience. Il faut prendre plus de temps pour essayer de leur faire comprendre et expliquer. Donc, il faut avoir des exemples à leur donner, tout ça. Et être capable de. Des fois, juste en discutant avec eux, parfois tu vas apprendre des arguments, tu vas apprendre comment leur répondre à chaque fois. Hein. Donc c'est pour ça, Yanni. Et si tu t'armes bien comme il faut avec la connaissance du Coran et de la Sunna et du Tawhid, de bien connaître le Tawhid comme il faut, tu es capable de discuter avec ces gens-là comme Yanni, calmement,
puis de discuter avec la, yani, les arguments rationnels que Allah t'a donné dans le Coran, et des choses de ce genre. Donc c'est ça, alhamdulillah. Ensuite, le cheikh, il dit, وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهِ. Il dit, في هذه الآية ينزه تعالى نفسه عن أن يكون له ولد أو شريك في الملك والتصرف والعبادة، ومن في موضعين للتأكيد، لتأكيد النسب. Donc le cheikh il dit que ce verset-là c'est pour purifier Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire Allah il se purifie lui-même d'avoir un fils ou d'avoir un partenaire dans son royaume qui aurait un contrôle quelconque sur quelque chose dans l'univers, ou bien qui aurait un mérite ou qui mériterait de l'adoration comme Allah ou avec Allah. Et donc Allah se purifie de toutes ces choses-là et il le nie, et il dit par la suite et qu'il n'y a pas d'autre divinité avec lui. Il dit, la ذهب كل إله بما خلق. هذا الاستدلال لما سبق في أول الآية من نفي الولد والشريك في الألوهية. أي لو قدر تعدد الآلهة لانفرد كل منهم عن الآخر بما خلق. وحينئذ لا تنتظم الكون لوجود الانقسام. Donc le cheikh il explique et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala maintenant il nous donne l'argument pour disputer ou pour argumenter avec les mushrikin, ceux qui prétendent qu'il y a plusieurs dieux, qui pensent qu'il y a d'autres qui ont créé avec Allah subhanahu wa ta'ala ou qui méritent l'adoration avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien ceux-là, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, Allah n'a pas de partenaire. Peu importe qu'est-ce que vous prétendez, il n'a pas de partenaire, mais si c'était le cas, s'il y avait d'autres partenaires, eh ben, si elle avait d'autres dieux avec Allah subhanahu wa ta'ala, chacun d'entre eux aurait essayé de s'en aller avec ce qu'il a créé. Et donc, il n'y a rien qui pourrait rester stable dans l'univers, dans la création. Et donc ça c'est un argument vraiment solide, et c'est un argument rationnel en même temps, parce que tu dis, bon ok, si tu dis qu'il y a un tel qui a créé ça, il y a un autre Dieu qui a créé telle chose, il y a un autre Dieu qui a créé telle autre affaire, bon, qu'est-ce qui arrive si un jour, bon, il y en a un de ceux-là qui dit, bon moi ça y est, je veux plus rester avec vous, puis je prends ma création, puis je m'en vais avec, donc il n'y aurait plus rien qui pourrait rester dans l'univers. Ensuite, il donne un exemple, il y a beaucoup d'autres exemples, mais c'est comme si, pour clarifier, on va terminer de lire, puis après on va donner l'autre exemple. Donc le cheikh il dit, وَالْوَاقِعُ الْمُشَاهَدُ أَنَّ الْكَوْنُ مُنْتَظِمُ أَتَمَّ انْتِظَامُ وَلَمْ يَحْصُلْ فِيهِ تَعَدُّدُ وَلَا انْقِسَامُ وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ أي لو كان معه إله آخر لكان كل منهم يطلب قهر الآخر ومخالفته، فيعلو بعضهم على بعض كحال ملوك الدنيا، وحينئذ فذلك المغلوب الضعيف لا يستحق أن يكون إلها. Donc c'est ça. C'est le cheikh il dit que lorsqu'on regarde l'univers, on remarque qu'il y a un équilibre. Il y a un équilibre dans l'univers. C'est là qu'il peut y avoir des fois des trucs qui se produisent, des cataclysmes, des problèmes qui arrivent dans l'univers, des tremblements de terre, toutes sortes d'affaires. Mais malgré tout, ces choses-là, c'est toujours sous un certain contrôle dans l'astral et dans un équilibre. Ça montre en réalité, ça nous fait voir en réalité comment le monde il serait s'il ne serait pas sous le contrôle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que des fois, il y a des koufars, ils m'ont donné cet exemple-là, ils m'ont dit, ah, mais non, il n'y a pas d'harmonie dans la création. Tout est chaos, Parce que, pour eux, là, il y a plein de choses qui se produisent dans l'univers qui sont chaos. Ils disent, même dans ce chaos-là, soi-disant, relatif, là, eh ben, il y a une harmonie dedans,
et Allah subhanahu wa ta'ala, il te montre ça pour te faire voir en réalité, parce que si des fois par exemple tu vas avoir un bébé qui naît, qui est déformé ou des choses comme ça, hein, et ça c'est pour te faire voir en réalité comment il a bien créé la création, hein, le fait que tu vois que cet être est né et qu'il est déformé, ça te fait prendre conscience de la miséricorde qu'il a fait sur toi, du fait qu'il t'a créé en bien, d'une bonne forme et d'une façon qui est correcte, et que s'il voulait, il t'aurait fait toi aussi comme celui-là. Il t'aurait fait déformer comme celui-là. Donc c'est pour que tu sois reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, et pour te donner une leçon en même temps de sagesse et d'humilité, hein, et d'être reconnaissant envers ton Créateur, et non ingrat. Donc c'est pour ça, dans toute chose dans l'univers, même si on trouve parfois qu'il y a des choses qui sont en contradiction ou qui sont en désordre dans l'univers, eh bien il y a de l'ordre dedans, il y a quelque chose quand même de contrôle là-dedans. Même quand tu te dis, bon, tu vas, je sais pas moi, tu vas par exemple, tu prends des grains de sable, tu les jettes dans l'air, tu te dis, bah, ça va au hasard. Non. Pour Allah, il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire, Allah, spontané, il contrôle, même quand tu jettes des choses comme ça dans l'air, là, il contrôle chaque chose dans chaque grain de sable que tu jettes en l'air. Allah sait exactement où il s'en va, et où est-ce qu'il va tomber, et où est-ce qu'il s'arrête. Hein? Donc, le hasard, c'est par rapport à nous, parce qu'on ne peut pas comprendre les questions de probabilité, les questions de... Hein, tout ça, c'est par rapport à nous. Et pour Allah, lui, tout ça s'est calculé. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas faire des comparaisons avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, imaginons maintenant qu'il y avait trois dieux dans l'univers, comme les chrétiens qui disent que Dieu est trois en un, ou bien d'autres religions qui disent qu'il y a trois dieux. Imaginons. Hein. Donc là, il y en a un. Les trois, supposons les trois, il y a deux possibilités. Soit qu'ils ont les trois la même force égale, ou bien qu'ils ont tous une force différente. Donc supposons la première possibilité, qu'ils ont tous les trois la même force. Ok? Et là dans ce cas-là, yani, les trois forces qui sont égales, s'ils tirent dans deux sens différents, ça explose ou bien ça s'annule. Hein? Si, ça peut pas avoir rien qui peut fonctionner. Il faut qu'il y en ait un qui soit plus fort que les autres. S'il y en a un qui est plus fort que les autres, eh bien c'est celui qui est plus fort qui va prendre le dessus. Hein? Et c'est pour ça que Allah il dit ici, la'ana un, et la'ana wa la'ana ba'duhum ala ba'd. Un allait prendre le dessus sur l'autre. Hein? C'est comme le cheikh il donne l'exemple, il dit, c'est comme les rois dans ce monde, hein? Les gouverneurs, les rois, lorsqu'ils sont, s'il y en a un qui veut prendre le territoire ou prendre quelque chose de l'autre, il s'en va et puis il s'en va et il le prend. Donc, s'il y avait plusieurs divinités, la situation dans l'univers serait un peu semblable à ça, il n'y aurait rien de stable. Il y aurait toujours des chaos et des choses qui sont en désordre dans l'univers, et donc il n'y aurait pas eu de possibilité d'avoir quoi que ce soit qui tienne. Donc, ça montre que dans l'univers, il peut seulement y avoir un seul créateur. C'est pas possible qu'il y en ait deux. C'est pour ça qu'Allah dit dans le Coran, Wallahu ala kulli shay'in qadir. Il a pas dit qu'il est qadir, il est ala ba'd l'ashya. C'est pas qu'il a le pouvoir sur quelques petites affaires ou certaines choses. Wa alaykum salam, wa barakatuh. Non, il a le pouvoir sur toutes choses. Et donc, s'il a le pouvoir sur toutes choses, est-ce qu'il reste quelque chose pour que quelqu'un d'autre que lui puisse avoir le contrôle dessus? Non. Les chrétiens, Allah Musta'an, moi je sais, j'ai grandi dans le christianisme, je peux vous dire que dans les questions de religion, ils ne comprennent rien. Ok? Déjà là, dans la religion, pour eux, si tu leur parles de leur religion, des fois, c'est comme si tu leur parles de chinois. Wallahi subhanallah, c'est très difficile pour eux de comprendre les Québécois, surtout les Québécois, les chrétiens québécois. Parce que, premièrement, ils n'ont jamais étudié la religion, en général. Et deuxièmement, on leur a donné une mauvaise compréhension, même quand on leur a enseigné la religion, on leur a enseigné la religion d'une façon fausse, complètement.
déjà que leur croyance est fausse, mais en plus on leur a mal enseigné. Donc eux, l'idée qu'ils ont dans la tête, c'est qu'il y a plusieurs dieux. Et chaque religion a un dieu qui est vrai. Et donc, Bouddha c'est un dieu, et pour eux Allah c'est un autre dieu, Jésus c'est un autre dieu, hein. Donc pour eux il y a tous ces dieux-là qui existent, et puis là ils sont en train de se demander, mais c'est lequel qui est le vrai, hein. Et ils comprennent pas qu'en réalité, il peut pas, déjà en partant, il peut pas y avoir plus qu'un. Ça vient pas à leur esprit que c'est une contradiction, que c'est impossible qu'il y ait plus qu'un seul créateur, un seul maître de l'univers. Quoi, est-ce que dans chaque religion il y a un maître de l'univers? Pour chaque religion il y a un maître de tout l'univers, hein. Donc, et c'est ça leur conception. Je vous dis, ces gens-là, ils pensent comme ça. C'est ça leur, souvent c'est ça la notion que ces gens-là ont à propos de la religion. Et moi je me souviens même avant d'être musulman, parfois, j'étais comme tout le monde, avant d'avoir appris, je savais pas, donc ça m'a pris beaucoup de temps avant de comprendre que Bouddha c'est un être humain et que Jésus c'est pas un dieu, c'est un prophète, un être humain, mais c'est pas Dieu, hein. Donc pour savoir que par exemple les divinités des hindous, les divinités que les hindous adorent, c'était des êtres humains. Hein? Et donc, c'est pour ça que quand tu dis, bon, ça c'est des êtres humains à qui on a attribué des attributs divins, on a donné à ces êtres humains-là des qualités divines, et puis donc on les a élevés et on les a adorés. Alors qu'en réalité, c'est des êtres humains, ils sont créés comme toi et moi. Ils mangent, ils dorment, ils vont aux toilettes, comme tout le monde. Donc comment ils pourraient être des dieux? Déjà, eux, la civilisation occidentale, ils retournent toujours vers la civilisation grecque. Et là, la civilisation grecque, il y a la notion de, comme un peu comme les hindous, qu'il y avait des dieux dans le ciel, puis que ces dieux-là, ils se battaient entre eux, puis il y avait les dieux sur la terre, et ils faisaient des enfants avec des femmes sur la terre, donc il y avait des demi-dieux sur la terre également. Et donc, c'est pour ça que ces gens-là, ils avaient ces notions-là, hein, Zeus, hein, les dieux de l'Olympe, tout ça, puis ils faisaient des enfants avec des femmes, ici sur terre, ils se reproduisaient, même des femmes des fois qui pouvaient avoir, des déesses, c'est ça, qui avaient des enfants avec des hommes de la terre, hein, et donc il y avait des demi-dieux, hein, comme par exemple Hercule, des affaires comme ça, ça fait partie de leur mythologie, là, et chez les Égyptiens, là, aussi, donc, toutes sortes de mythologies comme ça, donc, c'est qu'ils attribuent à Dieu, ils donnent à Dieu des caractéristiques humaines, puis ils donnent aux humains des caractéristiques divines, et donc c'est là que vient la confusion dans la compréhension de ce qui est Dieu, ce qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ils n'arrivent plus à distinguer entre le créateur et la créature, et puis là ils commencent à tomber dans l'idolâtrie, dans le shirk, parce qu'ils adorent autre que Allah subhanahu wa ta'ala, hein, à cause de ces raisons-là. Et donc par la suite, il y a eu les Romains qui ont hérité des unités grecques. Ils leur ont donné des nouveaux noms, mais c'est resté quand même les mêmes divinités. Jupiter, puis tous ces autres trucs-là, hein, ils les représentaient par des statues, puis ils envoient des cultes, et des religions, puis tout ça, hein. Subhanallah. Donc, c'est pour dire, je me rappelle une fois, je voyais l'émission, je sais pas si c'est un film, où ils parlaient d'une guerre qui est arrivée contre les gens de Troie, la ville de Troie en Grèce. Ils ont rentré avec le cheval, le gros cheval, là, puis dans le cheval, il y avait les soldats, ils sont descendus, puis ils ont attaqué de Troie, je pense. Ouais, le cheval de Troie, tout le monde a entendu parler de cette histoire. Eh ben, pour attaquer contre cette ville, l'homme qui est parti en guerre pour attaquer cette ville, il était incapable de partir. Pendant des mois et des mois, les vents soufflaient en direction contraire à la direction pour aller là-bas. Donc les bateaux n'étaient pas capables de s'en aller pour se diriger vers cette ville-là pour l'attaquer. Donc ils sont allés voir un de leurs prêtres, parce que eux, ils croient que leur divinité s'adresse aux hommes à travers certains prêtres. Donc, ils sont allés voir le prêtre et ils ont dit au prêtre, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que on puisse aller les attaquer, pour que les vents changent de direction? Eh ben,
le prêtre leur a dit, tu dois sacrifier ta fille. Alors qu'est-ce qu'il a fait pour pouvoir aller là-bas pour aller les attaquer? Il a pris sa fille puis il l'a exécutée. Donc c'est juste pour dire comment ces gens-là, ils prétendent des choses, ils inventent des mensonges à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et même au temps du prophète, regardez la sourate Al-An'am, comment il disait à certains des animaux sont pour Allah, puis certains d'autres animaux, on a le droit de monter dessus, d'autres animaux on n'a pas le droit, et il faisait plein de règles, et il perçait les oreilles des bêtes, et il faisait toutes sortes de trucs comme ça. Donc c'est pour dire qu'il s'inventait une propre religion. Même, par exemple, à propos de, il faisait le tawaf nu autour de la Kaaba, avec les idoles, et il disait que ça c'est quelque chose que nos parents faisaient, puis Allah nous a ordonné de faire ça. وأمرنا الله بها الله نزع عدن دفعها قل إن الله لا يأمر بالفحشة لا ينطن طاد لا تقبتر لا نجتة دمحشيني donc ça fait des exemples comment ces gens-là avec le shirk ils ont dévié, mais c'est pour montrer en même temps que la notion de penser qu'il peut y avoir plus que un créateur et un maître dans l'univers, c'est complètement absurde. Et comme on a expliqué plusieurs fois, c'est le fait justement d'être tombé dans ces formes de mauvaises conceptions-là qui ont amené beaucoup de gens à tomber justement également dans le shirk après par la suite, dans l'adoration. Et même si parfois par la suite, même après avoir compris qu'il y avait un seul Dieu, déjà, on continue à adorer autre que Allah subhanahu wa ta'ala, même si après ils disaient oui, c'est seulement Dieu qui a le contrôle sur tout, qui est le maître de tout, mais continuer à imiter les autres peuples qui avaient dévié à ce sujet-là, puis qui avaient adoré autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Ouais. Mais c'est ça. Ouais, c'est rendu. Ouais, c'est parce qu'en fait là, ils critiquent ça sur le plan économique et sur le fait que c'est devenu une fête économique, que les gens dépensent et puis c'est de la publicité et puis… Ouais, c'est ça. Ils ne font rien. Ouais. Les orthodoxes, ils fêtent Noël 12, je crois que c'est 12 jours après ils fêtent Noël. Ouais, ouais. Les Russes, ils fêtent Noël après, les Grecs aussi, ils fêtent Noël pas en même temps que les, donc ça voit que même eux, ils sont pas d'accord entre eux. C'est comme Allah dit dans le Coran, وَمَا بَعْدُهُمْ بِتَابِعِنْ قِبْلَةَ بَعْدُ. Donc, même entre eux, là, ils sont pas d'accord. Donc, déjà en partant, ils savent pas. Moi, souvent, je demandais à des chrétiens, c'est quand la naissance de Jésus, c'est en quelle année? Il dit, ben, il est né le 25 décembre. Il dit, ok, mais en quelle année? Il dit, ben, c'est parce que l'année de sa naissance, c'est l'an 0. Ok. Il dit, quand ils étaient à l'époque de Jésus, ils n'avaient pas encore déterminé que c'était l'an 0. Ils étaient en quelle année? Parce qu'ils utilisaient le calendrier romain à cette époque-là, en Palestine, parce que c'était une colonie romaine. Et puis eux, les Romains, à cette époque-là, ils étaient en quelle année? C'est ça l'affaire. Et donc, c'est très compliqué là. Allah Mustahil. Et de toute façon, Jésus, la même chose que nous quand on parle, quand on veut réfuter les gens qui ont fait la bid'a de la fête du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La même chose. Tu leur dis, est-ce que Jésus, dans la Bible, il a dit, fêtez ma fête? Est-ce qu'il l'a fait lui-même? Est-ce qu'il a demandé à ses compagnons de le faire? Est-ce qu'il a dit aux gens après ma mort faites ça? Jamais. Et les premiers chrétiens ne faisaient pas ça. C'est venu bien longtemps après. Donc c'est pour dire que même dans la religion des chrétiens, c'est une bédard. Et c'est ça qui a dévié les chrétiens, c'est les innovations, c'est les bédards. Et les juifs aussi, c'est les bédards qui les a fait dévier. Ils ont changé la religion de leurs prophètes. Et voilà. Les musulmans maintenant, ils tombent encore dans les détails en suivant l'exemple des juifs et des chrétiens. Et c'est ça qui est dangereux. Il y en a qui comprennent pas ça, Allah.
Donc après le cheikh il dit, وَإِذَا تَقَرَّرَ بُطْلَانَ الْمُشَارِكِ تَأَيَّنَ أَنْ يَكُونَ الْإِلَهُ وَاحِدًا وَهُوَ اللَّهُ وَحْدَهُ ولهذا قال سبحان الله عما يصفون من الشرك والولد عالم الغيب والشهادة أي وهو المختص بعلم ما غاب عن العباد وعلم ما يشهدونه أما غيره فهو وإن علم شيئا من المشاهد فإنه لا يعلم الغيب donc le cheikh dit que donc on a compris encore une fois que tout ce qui est associé à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ba'atil, c'est faux. Donc une fois qu'on a compris que ça c'est faux, eh ben c'est clair maintenant par la suite que Allah est un seul Dieu et qu'il est unique. Et c'est pour ça que Allah dit par la suite, subhanallah amma yasifun. Subhanallah, c'est un terme qu'on utilise et qu'on dit pour dire comme que Allah soit purifié de telle chose, qu'il soit exempté de toutes ces imperfections-là qu'ils peuvent lui attribuer, c'est-à-dire des partenaires et des enfants et des trucs de ce genre. Et Alim al-Ghayb wa al-Shahada, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il a comme particularité qu'il connaît, la connaissance de tout ce qui est apparent et de tout ce qui est caché. Il a la connaissance de tout ce qui est apparent et de tout ce qui est caché. Et donc le ghaib, l'inconnu, l'invisible, c'est seulement Allah qui le connaît. Et donc, il peut révéler à certains de ses messagers certaines connaissances de l'inconnu, mais c'est toujours limité. Il n'y a pas un être humain ou une créature qui connaît l'invisible ou qui connaît le ghaib. Ensuite, le cheikh dit, فَتَعَالَ اللَّهُ أَنْ تَنَزَّهَا وَتَقَدَّسَ عَمَّا يُشْرِكُونَ بِهِ فهو سبحانه متعال عن أن يكون له شريك في الملك donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit purifié et qu'il soit donc élevé de tout ce que ces gens-là peuvent essayer de lui donner comme partenaire et associé dans son royaume et il n'a pas rien qui est partenaire avec lui ensuite il dit وقوله فلا تضربوا لله الأمثال ينهى سبحانه وتعالى عن ضرب الأمثال له وضرب المثل هو تشبيه حال بحال فلا تضرب لله donnez pas des comparaisons avec Allah سبحانه وتعالى faites pas des comparaisons entre lui et la création ou entre quoi que ce soit yani. Parce qu'il n'y a rien qui peut être comparable à Allah, il n'y a rien qui est pareil à lui et il dit de donner des exemples ou de donner des comparaisons c'est de comparer entre une situation et une autre, ou un état et une autre. Comme par exemple, le chef dit, وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَقُولُونَ إِنَّ اللَّهَ أَجَلُّ مِنْ أَنْ يُعْبَدَ الْوَاحِدُ مِنَّا مِنْ أَنْ يَعْبُدَهُ الْوَاحِدُ مِنَّا فَلَا بُدَّ مِنْ اتِّخَاذِ وَاسِطَةٍ اتِّخَاذِ وَاسِطَةٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ فَكَانُوا يَتَوَسَّلُونَ إِلَيْهِ بِالْأَصْنَامِ وَغَيْرِهَا تَشْبِيهًا لَهُ بِمُلُوكِ الدُّنْيَا donc des exemples, par exemple, de comparaisons que les mouchriquines ont fait, et qui les ont amenés vers l'égarement et la déviation, c'est le fait que, par exemple, ils ont dit, nous, on est, Allah subhanahu wa ta'ala est trop grand et trop majestueux pour que l'un d'entre nous s'adresse à lui directement, et pour que l'un d'entre nous l'adore directement comme ça. Donc, on est trop faible, on a plein de péchés, on est très loin de la piété et tout. Donc, on va prendre des intermédiaires pour adorer Allah. On va passer par des créatures, des êtres humains, des gens pieux, des prophètes ou des anges pour essayer de se rapprocher à Allah. Ils ont appelé ça le tawassul, c'est-à-dire de prendre un moyen. Ils pensent que ça c'est le tawassul. Donc, le cheikh il dit que ils ont fait ça dans le but d'essayer de comparer Allah avec les rois de ce monde, et les dirigeants de ce monde. C'est-à-dire, les dirigeants de ce monde, pour arriver à eux, tu peux pas, t'es pas assez élevé, t'es pas assez respecté, t'es pas assez connu. Donc, t'as besoin de quelqu'un qui est proche d'eux pour qu'il t'amène
à les rencontrer et qu'il te permette de les connaître, de demander une faveur particulière. Et ça c'est pour les créatures. Ça c'est comparer Allah à la création. Tu peux pas comparer Allah à la création. Parce que les rois dans ce monde, ils ont pas le choix. Ils ont pas le choix d'accepter l'intercession. Pourquoi? Parce que justement ils ont besoin. Ils ont besoin de l'aide des hommes. Ils ont besoin de l'aide de ses supporters. Un roi sans ministre, sans conseiller, sans armée, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut rien faire. Il a besoin de ces êtres humains-là. D'accord? Et donc, si on lui demande une faveur, il est presque parfois obligé de répondre. Hein? Et même si, et souvent, c'est parce que lui, il connaît pas la personne. Il sait pas à qui faire confiance. Donc, il a besoin que quelqu'un vienne pour lui conseiller, pour lui dire aide cette personne, aide telle personne. Tandis que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas comparable à ces êtres humains ou à ces rois qui n'ont pas une connaissance de l'infini. Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il connaît la personne qui a besoin d'aide, il connaît son nom, il connaît tout, il connaît mieux, il le connaît mieux même qu'elle se connaît elle-même. Hein? Donc, par exemple, lorsque quelqu'un a besoin d'aide, il n'a pas besoin de demander à une créature ou de passer par un intermédiaire, il peut aller directement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, « Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. » Allah, il dit, hein, votre Seigneur a dit, « Invoquez-moi, je vais vous répondre. » Pas besoin de passer par quelqu'un. Hein. Donc, tout ça, c'est des comparaisons qu'ils font là, qui les amènent à tomber dans le shirk. « Fanaha subhanahu an zalika, li'annahu subhanahu la mithla lahu. » يمثل بخلقه ولا يشبه ولا يشبه بهم لأن الله يعلم أنه لا مثل له وأنتم لا تعلمون فعليكم هذا صدر عن توهم فاسد وخاطر باطل ففعلكم هذا صدر عن توهم فاسد وخاطر باطل ولا تعلمون أيضا ما في عبادة الأصنام من سوء العاقبة. Donc, le Cheikh dit donc, Allah a interdit aux gens de faire ça, c'est-à-dire de prendre des intermédiaires dans l'adoration, dans leur adoration avec Allah subhanahu wa ta'ala, et il a dit que leur geste, le fait qu'ils font ça, c'est uniquement venu à cause de leur ignorance. C'est pour ça qu'Allah il dit, Allah il sait qu'il n'a pas de comparaison ou qu'il est comparable à personne, et vous ne savez pas. C'est-à-dire, votre action, votre geste de prendre des intermédiaires avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, eh bien ça c'est basé sur des fausses suppositions et sur des fausses pensées que vous avez à propos d'Allah. Et également, si vous saviez les mauvaises conséquences de l'adoration des idoles, vous n'auriez pas fait une chose pareille. Ensuite, le Cheikh dit, وقوله قل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك دليل على أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى وأن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce verset-là, il commence par dire « Qul » dit. Ça c'est un ordre pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire aux gens. Et le cheikh il dit que ça, il y a dans ça une preuve que ça c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et non pas la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme certains gens de Bid'ah essaient de prétendre. Ils prétendent que le Coran, c'est pas la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la parole du prophète. Donc ça c'est bâtil. Et le cheikh il dit, la question de la parole, on va y revenir parce que ça s'en vient bientôt, inshallah. Donc on va en parler de tout ce qui a à voir avec l'attribut de la parole pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il dit, donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui qui transmet le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. وإنما أداة حصر حرم ربي الفواحش أي جعل
جعلها حراما والفواحش جمع فاحشة وهي ما تناهى قبحه من المعاصي ما ظهر منها وما بطن أي ما أعلن منها وما أسر. Donc le cheikh dit que Allah a uniquement interdit les fawahish. Donc le fawahish, c'est-à-dire qu'il les a déclarés haram, il les a déclarés haram. Et le fawahish, c'est le pluriel de fahisha. Et le fahisha, c'est quoi? C'est un péché qui est arrivé à un très haut niveau de laideur. Un péché qui est arrivé à un très haut niveau de laideur. Et ma zahara minha wa ma batan, c'est-à-dire qu'il soit fait ouvertement ou caché. Hein, dans les sociétés actuelles, toutes sortes de fawahish, surtout en Occident ici, qui sont faites ouvertement et cachées. Et quand des fois tu parles avec des gens dans la société ici, tu leur dis, c'est vraiment la société, vraiment de plus en plus, elle se dégrade. Et il y en a qui essaient de nier ça, il y en a qui nient ça, il y en a qui disent non, non, c'est pas pire aujourd'hui qu'avant, ça a toujours été comme ça. Et ils veulent pas admettre que la société, la morale de la société est en dégradation. Hein. Et ils disent que avant, les choses se faisaient en cachette, tandis qu'aujourd'hui, les choses sont faites en plein jour. Donc, ça veut dire que c'était toujours pareil. Hein. Et puis, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ma zahara minha wa ma batan, qu'elle soit apparente ou qu'elle soit cachée, les deux c'est des fawahish. Mais c'est sûr que des péchés qui sont faits ouvertement, c'est plus grave que des péchés qui sont faits en cachette. Et le fait que des péchés se fassent en cachette dans une société, c'est quand même un signe que des gens ont encore de la gêne, encore de la honte de faire du mal. Tandis que dans la société dans laquelle les choses sont faites ouvertement, et bien là c'est une société qui est proche du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une société qui est proche du châtiment. D'accord? Parce que chaque fois qu'il y a eu des sociétés où les gens ont commencé à faire des péchés ouvertement, il y a eu des châtiments qui sont tombés sur eux par la suite. Hein? Donc c'est pour ça que l'argument de dire que hein, c'était fait en cachette, donc c'était aussi pire, ça c'est pas vrai ça. Et la preuve que c'est pas vrai, c'est que les choses qu'on fait, que ces koufars là, les péchés qu'ils font aujourd'hui, ouvertement, ok, eh ben ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont en train maintenant de faire d'autres péchés en cachette qu'ils sont pas capables de faire ouvertement parce que c'est pas encore accepté et que s'ils le font, tout le monde va s'effacer, c'est pas acceptable. Mais comme les péchés qu'ils font aujourd'hui, ils ne le faisaient pas avant en public, eh ben, dans peut-être 10 ans, 15 ans d'ici, eh ben, ces affaires-là qui étaient cachées, maintenant vont sortir encore. Donc, ça continue de plus en plus toujours, et c'est pour ça que la morale de la société va toujours en dégradation. Hein? Et, Allah al-Musta'an. Et après, le chef, il dit, wal-ithm, kullu ma'siya, yatasabbabu anha al-ithm. Okay. وقيل وهو الخمر خاصة. Donc, الاثم, c'est tout péché qui amène à faire un autre péché. Un péché qui en appelle un autre. Et il y en a d'autres qui ont dit également que c'est comme l'alcool, par exemple. Quand quelqu'un prend de l'alcool, ça l'amène à faire d'autres péchés. Hein? Parce que qu'est-ce qui se passe quand tu prends de l'alcool ou de la drogue? Eh ben, ça te couvre ta raison, ta conscience, t'as plus de conscience. Donc, tu peux faire plein d'autres péchés et plein d'autres crimes, hein, les autres péchés comme le zina et tout. Souvent, c'est ça ce qu'ils font, même les koufars, ils font ça. Quand ils vont dans les fêtes, ils donnent de l'alcool aux femmes. Justement, pour qu'elles perdent la tête. Et après, ils se permettent par la suite de faire tout ce qui est haram avec elles. Hein. Donc, c'est pour ça. Et après, ils vont dire, mais c'est pas de ma faute, j'étais sous, j'étais pas conscient. Donc c'est des exemples de ism, c'est des péchés que tu fais qui amènent à faire d'autres péchés. Et les ulama ont dit que al-khamr c'est ummul khaba'ith, c'est la mère de toutes les saletés, de toutes les impuretés. Pourquoi? Parce que elle amène tous les problèmes dans la société, tout le mal dans la société. Quand tu vois qu'une société est remplie d'alcool
et qu'il y a des gens qui boivent de l'alcool dans la société, ben tu vas voir que la morale de cette société-là, elle descend. Hein? Et regardez le niveau social ici. Il n'y a pas un coin de rue où tu ne trouves pas un dépanneur avec de la bière dedans. Et regardez la catégorie de la classe sociale qui boit cet alcool-là et comment ils vivent. Comme des animaux, Allah Mustahil. Hein? Donc c'est pour ça que l'alcool, c'est quelque chose de tellement mauvais. Hein? Et alhamdoulilah que Allah nous a protégés contre ces choses-là. Et la drogue, c'est encore pire. Hein? Que ce soit la marijuana, la cocaïne ou toute autre catégorie de drogue. Regardez les gens qui vivent dans ces milieux-là. Il y en a qui pensent que le fait de la légaliser, ça diminue la laideur du crime. Hein? Si on légalise le vol, est-ce que ça va enlever la laideur au fait de voler? Hein? Donc ça c'est un argument quand même stupide, Yannis. La seule différence, Yannis, c'est peut-être vraiment ces gens-là, en tout cas. Comme en Hollande, ils ont légalisé certaines drogues. Yannis, mais ça reste toujours que ça fait tourner la tête des gens, Yannis. Ça les fait perdre leur conscience. Hein. Et ça les amène souvent, ces drogues qui sont moins fortes, ça les amène à tomber dans d'autres drogues plus fortes par la suite, parce qu'ils recherchent toujours des sensations de plus en plus forte. Et, non, ça existe déjà. Puis quand en tout cas. Mais c'est pour ça que, et puis dans les pays musulmans, il y en a, malheureusement, maintenant, commence à avoir de la drogue, même qui ne saurait pas. Et même dans certains pays, il y en a, c'est des producteurs de drogue, hein. Donc ça c'est parce que les gens ont dit, ah, qu'est-ce qui est haram, c'est l'alcool. Mais la drogue c'est correct, a'udhubillah, hein, ça c'est dû à l'ignorance, hein. Et ça rapporte, bien sûr, pour l'argent, mais la même chose, c'est-à-dire, quand on regarde juste le profit, hein, les gens sont toujours prêts à, et les gens, quand ils pensent de cette façon-là, juste plein matérialiste, ils peuvent vendre leur mère, si c'est comme ça. Si ça peut leur rapporter de l'argent, hein, il n'y a plus de morale. Ça rapporte pas, exactement. Tout le profit qu'ils gagnent, ils le perdent à la fin. Exactement. Dans les maladies, les hôpitaux, les conséquences négatives qui sont amenées à cause de ces péchés-là. Eh, allez. Hein, comme on dit, ils ont, comme Allah dit, voilà qu'il y a un acteur nas, mais aqilun, ils ne réfléchissent pas, yani. Donc, après, qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Wal-bari bi-ghayr al-haq. Wal-bari bi-ghayr al-haq. Qu'est-ce que ça veut dire? Ay al-dhulm al-mujawizu lil-haq wa al-ta'addi ala al-nas. C'est ça, al-bari. Al-bari, c'est de faire de l'injustice, de la transgression. Ok? Et de dépasser la limite et de transgresser contre les gens. Wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Wa an tushriku billahi ay taj'alu lahu sharikan fil ibadah. C'est-à-dire vous donnez à Allah subhanahu wa ta'ala un associé dans l'adoration. Et je ne sais pas si vous remarquez, mais on dit, Allah il parle des choses de plus en plus graves. Il va des choses les moins graves, et il augmente jusqu'à des choses de plus en plus graves. Alors, il a parlé des fawahish, après il a parlé des ism, et après il a parlé de al-bari, et là il parle de al-shirk. Et le shirk c'est le plus grand péché. Hein? Donc il va de plus en plus, de plus grave en plus grave. Donc là il a parlé du shirk. ما لم ينزل به سلطانا أي حجة وبرهان وهذا موضع الشاهد من الآية. Et que vous n'associez pas avec Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose à laquelle il n'a pas donné d'autorité, de preuve. Hein? Il n'y a pas de preuve pour le shirk. Donc, déjà, le fait de commettre le shirk, c'est de faire quelque chose sans preuve. Et ensuite, le point du verset qui est en fait le but pourquoi le shirk il le mentionne ici, c'est وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Et que vous dites à propos d'Allah ce que vous ne savez pas. Donc, Allah a placé le fait de parler à propos d'Allah sans connaissance, il l'a mis au-dessus du shirk. Donc, ça veut dire, c'est encore plus grave même que le shirk.
Parce qu'à la base même, le shirk vient du fait que des gens ont menti ou ont dit des choses à propos d'Allah sans connaissance. Comme on a dit tout à l'heure, le fait d'avoir attribué à Allah des caractéristiques humaines ou de la création, ou d'avoir attribué à la création des attributs de Allah subhanahu wa ta'ala, ça a amené beaucoup d'âmes à tomber dans le shirk et dans l'égarement. De mentir à propos d'Allah et de mentir à propos de sa religion. Le cheikh dit, ما لا تعلمون من الافتراء والكذب من دعوى أنه أن له ولدا ونحو ذلك مما لا علم لكم به ومثل ما كانوا ينسبون إليه من التحليلات والتحريمات التي لم يأذن بها. Donc le cheikh dit par exemple, parmi les choses qui ont été dites de ta propos d'Allah sans connaissance, il y a par exemple le fait d'inventer des mensonges et de prétendre qu'il a un fils. Hein? Tu dis Allah a un fils alors que c'est pas vrai. Hein? Et tu dis par exemple, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et tu dis qu'il y a d'autres choses avec Allah ou des choses comme ça, tout ça c'est des mensonges. Tu dis Allah il a ordonné de faire telle chose puis c'est pas vrai. Hein? Donc ça, tu dis qu'Allah a permis quelque chose, c'est faux, il l'a interdit, tu dis qu'il l'a interdit et, alors qu'il l'a permis, hein, ça c'est très très grave, et ça c'est une des pires choses, et en fait ici qu'est-ce qu'on peut même dire, c'est que les gens qui parlent à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala sans connaissance parmi les musulmans, c'est-à-dire ceux qui ont inventé des choses fausses à propos d'Allah, soit qu'ils ont nié ses attributs, ils nient ses attributs, ils refusent de lui attribuer les attributs qu'il s'est attribué lui-même, ou bien qu'il lui donne des attributs qu'il ne s'est pas donné. Donc ça fait que c'est des gens comme ça, que des gens tombent dans l'égarement à cause de ces gens-là. Ils mentent à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, il y en a. Et ça c'est une chose, on dirait que parfois c'est quelque chose qui est difficile à accepter pour les musulmans. Pourquoi? Parce que ils ont l'impression que depuis qu'on dit « je suis musulman », ça veut dire « je suis honnête, je suis juste, je suis bien guidé, je suis sur le droit chemin ». Et ça c'est à la base. Toutefois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a averti qu'il y allait avoir des gens qui vont dévier. Il nous a averti qu'il y allait avoir des gens qui vont suivre les juifs et les chrétiens. « La tattabi'anna sanana man kana qablakum »« Shibran shibran zira'an bi zira'in » Vous allez suivre les juifs et les chrétiens pas à pas dans tout ce qu'ils font, vous allez vouloir le faire. Même s'ils rentrent dans le trou de lézard. حَتَّى وَلَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبِّنْ لَدَخَلْتُمُوهُ. Vous allez vouloir les suivre là-dedans. قِيلَ مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ. Qui d'autre, à part les juifs et les chrétiens? Il y en a d'autres versions aussi. Oui. Donc tu vois, c'est pour dire, ça c'est un exemple, il y a un hadith aussi qui parle des problèmes de la Oumma, puis des choses qui vont arriver vers la fin des temps, puis tout ça. Hein? Donc il faut rester conscient que c'est pas juste quelqu'un dit « je suis musulman », ça y est, on prend tout qu'est-ce qu'il dit. Et quelqu'un dit des choses fausses contre Allah et contre sa religion. Il y en a qui disent « ah mais il faut réunir les gens, il faut la fraternité, puis tout ça, on est des frères, il faut pas se disputer ou se chicaner ». Oui, c'est vrai, alhamdoulilah, on est des frères, il faut se réunir, il faut être unis, il faut être des frères, mais tant que les gens restent sur la vérité, et tant que les gens suivent la vérité, mais quand quelqu'un refuse de revenir à la vérité, puis qu'il commence à inventer des mensonges, puis à contredire le Coran et à contredire la Sunna, puis après il appelle les gens à ça, et puis après par la suite il dit « on est des frères, restons unis », là il y a une contradiction là. Là il faut changer l'attitude et le comportement, il y a des choses, il y a des règles. Hein? Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a avertis par rapport à ces gens-là et à ces choses-là qui allaient arriver plus tard. Et le chef il dit « وَالشَّاهِدُ مِنَ الْآيَاتِ الْكَرِيمَةِ أن فيها نفي الشريك عن الله وإثبات تفرده بالكمال ونفي الولد والمثل عنه سبحانه وأن جميع مخلوقاته تنزهه عن ذلك وتقدسه كما أن فيها إقامة الحجة على بطلان الشرك وأنه مبني على جهل وخيال وأنه سبحانه لا مثل له ولا شبيه له والله أعلم.
Donc le cheikh il dit que tous ces versets-là qu'on a mentionnés maintenant, pourquoi on les a mentionnés? C'était pour montrer que Allah subhanahu wa ta'ala il n'a pas d'associé, il n'a pas de partenaire, hein, et qu'il est unique, il est le seul à posséder la perfection, et qu'il n'a pas de fils, qu'il n'a pas de pareil, Allah subhanahu wa ta'ala, et que toutes les créatures glorifient et purifient Allah subhanahu wa ta'ala de ces imperfections-là, et également il a établi la preuve de la fausseté du shirk dans plusieurs versets qu'on a mentionnés, et il a montré que le shirk est basé sur l'ignorance et sur l'imagination, les choses fausses, les illusions. Et également, il a montré que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas de pareil et il n'a pas de ressemblance. Wallahu a'lam. Donc ça vient terminer le chapitre de au sujet de Al-Sharik. Et donc, on a passé un bon bout de temps là-dessus aujourd'hui, alhamdoulilah. Et la semaine prochaine, on va parler de l'attribut qui est Istiwa Allah ala Arshi et al-Ulu. Donc, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala est élevé au-dessus de son trône et qu'il est au-dessus de toutes choses. Donc, on va expliquer ça, Inch'Allah, la semaine prochaine, dimanche prochain, bi'idhnillah. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك